Y a pas tous, on se retrouve donc aujourd'hui sur cette deuxième partie de Let's Play Life is Feudal. Donc on va continuer à chercher du caillou pour dire de faire du terrassement, d'augmenter pour pouvoir faire des objets en bois par la suite et pouvoir créer sa maison. Ensuite, on va regarder au niveau de la ferme ce qu'il est possible de faire. Nouvelle fois, 20 minutes, une demi-heure maximum de vidéo, pas plus. Donc là, je suis en train de creuser pour ramener du caillou. C'est qu'il me faut par 30. Ça devrait suffire ici. On ramène un peu de minerai aussi. On va continuer à paver les routes pour augmenter sa construction. Mais avant ça, on va regarder quelque chose. Oui, on était à 60, donc on peut y aller. Donc, il va falloir très vite trouver une source de nourriture parce que là, mon personnage commence à avoir faim. Je viens de manger un cookie sur les deux que j'avais. On est trop loin du terrain, alors on ne comprend pas pourquoi. Et un peu plus loin, ça fonctionne. Enfin bon, n'allez pas chercher. Puis on va regarder, vu qu'on a dépassé les 30, les objets que nous pouvons déjà créer en construction. Nombre de sols, mannequins, forges, fours, pressoir à vin, bitchier, ruche, clôture, portillon. Bon, on pourrait aller sur le four. Pour ça, on va niveler là-bas, on va voir ce qu'on a besoin. On va observer un petit peu le terrain pour voir ce qu'on pourrait modifier. 17-7, 17-6, donc on pourrait travailler sur ces deux-là sans aucun souci. Hop, terrassement, on va aplanir le sol. Il me faut une pelle, j'ai ma pelle. Donc celui-là et celui qui suit pour la maison, on verra plus tard. Oui, c'est pas ce que je voulais. Il m'a déposé mon fer. Or non, je ne voulais pas qu'il me dépose le fer. Donc, on va refaire. Voilà, ça c'est un fail, ça arrive. Très souvent, vous allez me dire me concernant. Donc, on va partir ici. On va aplanir celui à notre gauche. Là, ça devrait aller, il ne devrait pas me prendre mon minerai de fer. Il m'a pris mon minerai de fer, donc c'est embêtant. Oui, pour aplanir, bêtise de ma part, je dois me mettre sur le sol le plus bas vers le plus haut, afin qu'il travaille et qu'il me ramène de la terre et non pas me prendre mon minerai de fer. Voilà, c'est mieux. Donc toujours se mettre sur le plus bas pour le plus haut. On va le découvrir ensemble, la raison du comment, du pourquoi. On a de la terre fertile. On a un sol aplani. Donc on pourrait se retourner maintenant et aplanir ce sol-là en espérant qu'il ne bazarde pas notre minerai de fer. Si on regarde, on doit être bon, donc on est bon. Et celui-ci, on pourrait l'aplanir pour dire de perdre notre
terre parce qu'elle nous sert à rien cette terre actuellement, donc autant la bazarder. Voilà, on va lancer construction, construire, on avait dit four. Excusez-moi. On a posé le point. Il faudra des feuilles de métal, de l'argile et du mortier. Bon, on va chercher l'argile. Ça fait augmenter notre construction. Le but est vraiment d'arriver à avoir, encore le faire une fois, donc le but sera d'arriver à avoir une petite base. Feuille de métal, ben ce sera pour la suite, hein. Même si je pense qu'il nous faut le four pour le faire, alors la forge et l'enclume. Peut-être la forge et l'enclume. Ça, on va le découvrir ensemble, on verra bien. Je vais choper de la terre. Ouais, c'était de la terre pour celui-là. Part pour la suite, bien sûr. On va aller rechercher encore un argile. Donc voilà, on va tenter de faire notre petite vie tranquille, sans embêter personne. Vous allez me dire, il n'y a personne, mais on va pas aller chasser pour l'instant. La chasse sera vraiment la suite de l'aventure. Je vais chercher de l'eau et je vais essayer de faire une enclume. Mais bon voilà, ma construction augmente bien, on est à 45, on passe à 50 ici. Une nouvelle fois, il y a un gros bonus appliqué sur ce serveur, hein. Donc ne vous fiez pas à la vitesse à laquelle j'évolue. Si vous allez sur les serveurs online, vous n'aurez pas cette accélération. Le poulailler, voilà, ça on va en avoir besoin sérieusement. Comme ça on va pouvoir commencer à chasser. Donc on va se faire une petite zone plate là juste devant. Pour mettre un poulailler, puis on va les mettre des pièges.
pas mal de choses. La brouette pourrait être utile aussi. Donc hop, on dépose le poulailler et on va le construire. On va regarder pour poser un piège aussi. Il me faut les clous. Et je ne sais pas faire les clous. Je ne sais pas faire les planches pour l'instant. Et des fibres végétales. Donc il va falloir sérieusement que j'augmente mon minage. Oui, je veux bien que je peux miner. Mais si je ne trouve pas de filon, je ne sais pas miner. Les frustrations de ce jeu, c'est de dire voilà, pour faire ça, j'ai besoin de ça, je ne l'ai pas, je ne peux pas le faire. Donc voilà, ici j'ai beau creuser terrassement, creuser un tunnel. Il me faut une pioche, je veux bien, j'avais une pioche. La voilà. Sachant que l'autre a été cassée, donc j'ai dû en refaire une. Mais bon, vous êtes surchargé, tu me fais rire. On va les paver un petit peu. Hein. Toujours augmenter ma construction, vous allez me dire. Qui m'envoie construire des clôtures en pierre, des objets de base de maçonnerie. Bon, on va regarder après pour faire des clôtures en pierre. Alors, c'est vraiment la partie que j'ai jamais faite, hein, la forge, donc. Il est plus que probable que je me ramasse. D'habitude, je suis le fermier, je fais la distillerie, je fais tout ce genre de choses. On va essayer de remonter la stamina. Ouais, on ne saura plus rien prendre. En maçonnerie, construire un puits, clôture en pierre. Clôture en pierre diagonale. Se reconstruire un puits permettra d'avoir de l'eau en étant près de la mer, c'est un petit peu dommage, mais bon. Je suppose qu'il me faut un terrain plat. Mais oui, il faut aplanir les parcelles. Youpi! Bon, on avait encore de la terre sur nous, donc on va repartir de la parcelle déjà aplanie ici. Faut vraiment jouer à plusieurs ce jeu. Voilà, il est très plaisant en solo, j'en vois pas l'utilité. Je suis désolé, j'ai beau adorer ce jeu. Je ne vois pas l'utilité seul. Donc pour faire du terrassement, le plus simple, c'est de partir du point central et puis de nettoyer ce qui est plus haut pour obtenir de la terre, venir le remettre sur ce qui est plus bas et pouvoir jouer comme ça sur les couches. Voilà, maintenant je peux démolir, très bien. Des cailloux, des billets de bois dur, oui. Bon, les cailloux, ça on en a ici, on va déjà les mettre. Et puis on détruira, tiens. On n'a pas de corde, on n'a pas de bande de métal. Comme on peut détruire, on avait ici un fourneau. On va le démolir. Pas pourrir non plus notre
Bon, est-ce qu'on a des pommiers dans le coin? Mûrier, mûrier, oui. Bon, les mûriers, ça va donner des cocons. Et on n'a pas besoin des cocons pour l'instant. Peupliers, des ormes, des mûriers. Faudrait un pommier. Est-ce compliqué de trouver un pommier? Pas l'abattre parce qu'on n'a pas pommier. Voilà. Agriculture, cueillir des pommes. Parce que notre jauge de faim commence à diminuer fortement. Des pommes, ça augmente mon agriculture, c'est pas plus mal. Vous allez voir que des pommes, il va en falloir en manger des tonnes et des tonnes. Pouvoir se restaurer convenablement. Donc 56 avec une pomme, on va monter à 65. Bien, ça monte plus vite que ce que je pensais. Ouais, essayer de se rappeler un petit peu du skin du pommier parce que ça va être utile. Faut que je liquide cette terre. Et pour l'argile, j'ai ma petite idée. Donc comme je vous disais, aplanir le sol, on va partir d'une surface plus haute où on va prendre la terre et puis on va travailler celle d'à côté. À partir du moment où on veut que ce soit plat, hein. Pas avec une pente ascendante ou descendante. Ça, ce sera tout à fait autre chose à ce niveau-là. Dans cette vidéo, on n'aura pas fait grand-chose. On n'aura rien construit, on n'aura rien développé. C'est frustrant. On aura juste fait du terrassement, le truc que j'ai horreur de faire. Mais certains amis passent leur journée complète à faire du terrassement. Ils sont fans. Allez savoir pourquoi. Ces effets d'ombre me saoulent royalement. Enfin, ces effets de lumière. Construire, on avait vu forger en plume. Donc on reste toujours dans la même zone où on va placer tous nos objets. Et vous allez me dire, on n'augmente pas non plus. On a besoin en plume, cailloux, argile, roche taillée. Ah, tiens, de la roche taillée. L'enclume, si je me souviens bien, il fallait de l'argile et de l'eau. Donc on va prendre de l'argile, on va prendre de l'eau. Modeler, voilà, il faut de l'argile, de l'eau. Bon, après on pourra faire plein d'autres choses et là on aura le moule de l'enclume mais pas l'enclume donc ce n'est pas intéressant
pour l'instant. Ah ben, il me fallait 20 argiles, j'ai eu les 20 argiles. On augmente notre terrassement en jetant l'argile par les fenêtres. On va les recreuser. La nuit arrive. Bon, nous sommes dans un jeu féodal. Nous ne sommes pas dans un jeu avec des zombies, avec des bestioles ou autres, comme on pourrait avoir. C'est quoi ça? Est-ce que c'est la pioche ou est-ce que c'est... Ouvrir. Bah, durabilité. C'était ma pioche que j'avais abandonnée lâchement. Bon, on va essayer de creuser le tunnel encore, hein. Il me faut la pioche à chaque fois. Je vais me faire avoir. On a vu qu'il nous fallait des cailloux là-bas de l'autre côté. Le problème, c'est qu'on va perdre tout notre minerai de fer. Et que le tunnel ne veut pas se creuser. Donc on ne sait pas augmenter notre compétence de minage. Enfer et damnation. Ah, mon cher Ardil, qu'est-ce que tu manques? Ainsi que Lewis, tout ça aurait déjà été fait. On verrait le lien de la vidéo. Et ce tunnel qui veut pas se creuser. Pourquoi tu ne veux pas rentrer dans le sol et me faire un tunnel? C'est par où, chef? Voilà. Dans le four, il ne fallait pas de cailloux, hein. Il fallait de l'argile, du mortier. Du mortier, ça se fait, je ne sais plus. Ah, je me demande si pour les mortiers, il faut pas des choses encore plus particulières. Il fallait pas de cailloux ici. Non, je ne veux pas le démolir, je veux le construire. Il fallait des cailloux. Donc hop, voilà les cailloux. Pour les billettes, les bandes de métal, on repassera. Donc voilà, je crois qu'on va arrêter cette vidéo ici. Je vais essayer d'avancer un petit peu en solo parce que je me doute que ça doit être embêtant à regarder quelqu'un qui tente vainement de faire un tunnel et qui n'y arrive pas. Tout ça pour trouver une saloperie, excusez le terme, mais une saloperie de... Quand
vraiment de filon. Peut-être que je me renseigne sur le net comment ils font, parce que logiquement ça devait pas prendre autant de temps pour si peu. Falloir que je fasse un petit coffre aussi. Et un certain moment que je me repose pour pouvoir récupérer mon maximum de stamina. Vous voyez que je suis bloqué à 92, 91. Elle m'a remonté à 113. Vous voyez, ça descend beaucoup plus vite quand je suis au-dessus. Est-ce que ça a diminué mon poids? 174. Bon, ça le diminue légèrement, donc autant le faire. En même temps, j'ai besoin de roches taillées et ça me permet de pas aller trop loin. Ça, ce sera plus tard. J'ai cru que j'avais cassé ma pioche. Bien dû faire. Oui, donc je vois pas pourquoi. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo là-dessus. On a posé d'autres bases. On a vu la difficulté pour faire un superbe tunnel. Magnifique tunnel que nous attendons tous avec impatience. Je vais continuer la partie sans l'enregistrer, en espérant réussir à faire ce satané tunnel. Donc voilà, cette vidéo, ben, à mon avis, ne vous a pas plu, et ce serait à juste titre, parce qu'on n'a pas évolué dans rien du tout, en tout cas. Et j'ai cassé, je suppose... Ouais, la pioche de durabilité, elle est pétée, je vais devoir me refaire une jolie, gentille, agréable petite pioche... Donc voilà, la préparation de matériaux augmente, tant mieux, on va pouvoir faire plus de choses. En même temps, on est bloqué parce qu'on n'a pas de clous, parce qu'on n'a pas de fer. Enfin, si, on a du fer, et on ne sait pas l'utiliser vu qu'on ne sait pas faire le minage, et donc on ne sait pas fondre les objets. Donc là, je vais aller me renseigner chez mes amis youtubeurs. Revenir sur la vidéo, essayer de trouver une solution à ce problème. Donc voilà, j'espère que ça vous a tout de même plu. Bonne journée et à bientôt. Au revoir, n'hésitez pas à vous abonner et à me soutenir.